Yo tout le monde les gars, c'est NanoFHD. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire un truc que personne n'a jamais fait. Je vais être le premier à le faire les mecs. Aujourd'hui les mecs, je vais créer des youtubeurs FIFA, tout simplement dans FIFA. Donc voilà, on commence directement. J'en ai déjà créé deux, donc j'ai créé Yomax. Voilà, je vais pas vous mentir les mecs. Ils vont pas forcément être hyper ressemblants. Après, c'est vrai que voilà, ils sont un tout petit peu ressemblants, mais vraiment pas énormément. Donc voilà, Yomax, c'était assez chaud de le faire. Mais en plus, lui, il a des lunettes normalement. Là, je pouvais pas lui en faire tout simplement. Donc voilà, Yomax, je l'ai bien fait. Je vous mettrai une photo juste là. Voilà, après, vous me dites dans les commentaires lequel j'ai mieux fait dans la vidéo, parce que j'essaie d'en créer quand même un ou deux dans ma vidéo, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Je crois que j'ai passé genre 10 minutes sur chaque mec, donc voilà, ça prend un peu de temps quand même. Voilà, donc Yomax, et maintenant je vais vous montrer les gars Vinsky. Donc voilà, Vinsky, lui, il est pas vraiment trop ressemblant. Je trouve pas qu'il est hyper ressemblant, mais je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il lui ressemble. Et voilà quoi, tout simplement. Après, je pouvais pas trop bien le faire. Essayez-vous d'en faire et envoyez-moi vos screens sur Twitter. Mon Twitter c'est nanofhd-du-bas. On va commencer par Punchy, tout simplement. Donc on va commencer par tout le monde. Avant il s'appelait Punchy, donc voilà, je l'ai connu quand il s'appelait Punchy. Du coup voilà. On va le mettre à l'OM parce que c'est son club préféré, donc je vais le mettre à l'OM. Tous les youtubeurs je le mets dans leur club préféré, donc on va le mettre quoi le petit Punchy. Moi je pense qu'on peut le mettre milieu défensif. Je sais pas quelle taille il fait, il doit faire à peu près 1m80. Kilo, ouais, je sais pas non plus. Ouais, il est quand même un petit peu. Tu vois, il est pas tout mec quand même. Donc, je vais essayer de le mettre un peu. Voilà. Désolé, hein, mec, c'est pas contre toi du tout, mais voilà, si j'ai envie de te faire bien. Ouais, voilà, on va le mettre comme ça. Je sais que tu fais pas 102 kilos dans la vraie vie. Hein. Heureusement, je sais que tu fais pas 102 kilos, mais je suis obligé de te mettre 110 kilos parce que sinon, voilà, sinon ça met comme ça et ça c'est exactement normal. Donc on va le mettre comme ça. Tant. Comme ça. Parfois il est comme ça dans ses miniatures. Du coup on va le mettre comme ça. Après comme ça. Putain, mec, c'est horrible, mec. Imagine, tu vois un gars derrière, il est comme ça. Mec, c'est horrible. Je suis désolé à tous ceux qui ont les oreilles décollées. Je pense pas qu'il y en a qui ressemblent à ça. Et on dirait un rat, mec. Comme ça. Il a le menton long. Mec, ça me paraît correct. Hein. Ça me paraît très correct tout ça. Ça ressemble pas du tout à Punchy, mais c'est pas très grave. Putain, ça ressemble que dalle, mec. C'est horrible, mec. C'est impossible de faire ça. Mec. Je sais pas dans quel truc je me suis lancé, mais c'est vraiment hyper dur, les gars. Je vous mets au défi d'essayer ça. En fait, on va peut-être changer la coupe de cheveux. Attends, on va changer ça. On va trouver un bon truc, je pense. Un truc qui lui correspond un peu mieux. Ça, ça me paraît correct, ça. Vas-y, on va lui mettre ça, hein. Ça me paraît correct. Putain, ça ressemble que dalle, mec, c'est horrible. Déjà, Axocile, c'est quoi son équipe préférée? Je sais même pas c'est quoi. Skill. Là, en tant que milieu offensif central. On va le mettre numéro 10, tranquille. Alors, quand est-ce qu'il est né, Axocile? Je pense qu'il doit avoir. On va le mettre en 93. On va le mettre 94. Enfin, pareil, je sais pas quand est-ce que c'est quoi sa date d'anniversaire. On va lui mettre quelle taille? 1m78 et 70 kg. Alors, ouais.
il a teint comme ça. Couleur de cheveux, ouais, il a à peu près des cheveux de cette couleur. Hein. Mec, tu ressembles à Astérix, un truc de... Ouais, c'est parfait. C'est parfaitement parfait. On va le mettre comme ça. Putain, là déjà, mec, il ressemble bien à Kotkin. C'est un truc de malade. Ok, les mecs, voilà le résultat. Moi, je trouve qu'Axoskill, honnêtement, c'est le plus ressemblant. Après, on va tous les regarder. Vous me dites dans les commentaires c'est lequel le plus ressemblant. J'en ai fait 4 en tout. Donc, il y a Yomax, Vinsky, Punchik et Axoskill. Moi, si dans une prochaine vidéo, vous voulez que je vous fasse encore d'autres youtubeurs FIFA, ça pourrait être assez sympatoche. Donc, Yomax. Voilà. Ouais, je trouve que quand même, Yomax, il est assez ressemblant. Hein. Il est trop mignon, mec. Je trouve que Vinsky, il est assez ressemblant. Un tout petit peu. Punchik, par contre, il ressemble pas du tout, mec. C'est horrible, mec. Je l'ai complètement raté. Je suis désolé pour toi, Pev, mec. Je t'ai complètement raté. Axoskill, pour finir. Je trouve qu'Axoskill, il lui ressemble beaucoup. Axoskill, il lui ressemble pas mal, Axoskill, quand même. On va pas se mentir qu'Axoskill, il lui ressemble vraiment beaucoup, mec. Il ressemble trop. J'ai réussi ma vie. J'ai fait. La vidéo touche à sa fin, les mecs. Si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir en commentaire, à lâcher un petit like et tout. Allez me follow sur Twitter, les gars. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà, après, si vous voulez regarder ce que je fais et tout, et quand il y aura des nouvelles vidéos qui vont sortir, etc. Vous allez me follow sur Twitter. Et voilà, moi je serai content. Gros j'aime si vous avez bien aimé la vidéo. Si vous l'avez pas aimé, vous me le dites dans les commentaires. Pourquoi? Tout simplement, j'essaierai d'améliorer ça. Les gars, c'était Nanofage D. Peace. Crapote ta chicha, entouré tes beubeux. Capote sans chichi, gros huc en le. Tu veux mon bien? Y a pas de sous ça et je veux pas mon bien. Trop souvent sous sky, j'ai fait du mal à petit cœur fragile. Je suis très calmé quand je parle, j'agis enfermé. Tu penses à ta sortie, fuck la gamelle, cuisine des tagines. Toute la cité, derrière ma carrière, faut pas que je me loupe. Pas de machin.